Hey, c'est bien toi, Jonathan Dupré? Bah, le vieux, là-bas, il m'a dit de venir ici et d'attendre. On viendrait me chercher pour mon jugement. Je veux pas influencer ton choix, mais je sais déjà où tu vas être envoyé. Il est temps de signer ton contrat. Parfait! Le diable et papy se battent pour récupérer le plus d'âmes humaines possible. T'imagines bien que c'est pas eux qui vont faire le sale boulot. Donc on a d'un côté Elisange. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et de l'autre, les démons. Et vous, qu'est-ce que vous faites chez vous? On est là pour faire les choses de manière propre et carrée. Je m'appelle Charles, je suis au service de l'archidémon du temps. Notre groupe, c'est toi qui attaques, moi qui repère et Charles qui répare vos conneries. Marine. Démon du jeu. Ouais, enfin, c'est pas nous qui pétons des cas pour rien, faisons perdre du temps l'équipe, hein? Jonathan, démon des âmes. On va chez le gars et on voit s'il est avec ses parents. S'il est tout seul, on rentre discretos, on l'assomme, on le kidnappe, on le ramène ici, on le torture, on le questionne. Moi c'est Alexandre, recrue du Seigneur des voleurs. Ouais bah je le savais, hein. Sébastien, démon de la folie. Oui, c'est moi. Eh, tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les fesses? Et quand il s'assied, il meurt. Oh, ça c'est cher. Je pense que je vais monter une seconde équipe. Par sécurité. Déjà, on reste sur nos gardes. Ils vont sûrement venir nous chercher. Tu vas me faire un petit jet en savoir occulte, voir si tu t'en souviens. Ben très bien. Allons tuer de l'enplumé. Mais on parle de jeu de rôle. Non, mais arrête, là tu t'enfonces.